Donc voici la troupe au grand complet, les quatre chiots de ma chienne Forgeval Fantastique, surnommée Fanta, et de l'étalon French Fox Franky, surnommé Franky, appartenant à Monsieur Deland Cédric, qui est mon compagnon et éleveur sous l'affixe French Fox. Donc ils sont nés le 7 janvier, et là actuellement ils sont sourds et aveugles, cela ne changera pas avant l'âge de 12 jours. Donc ils évoluent dans une caisse de maternité en plastique, qui n'est pas bien grande parce que cela n'est pas utile. Et ils dorment sur un vet bed, qui est un tapis qui reste toujours sec. Bon, évidemment, je le change régulièrement, ça c'est sûr. Alors, vers l'âge d'une vingtaine de jours, quand ils seront marchés, ils iront dans une caisse de maternité plus grande hein, pour qu'ils puissent se dégourdir les pattes et jouer. Voilà. Mais pour le moment, comme c'est des petits ratons bien dodus qui font que téter et dormir, ils peuvent rester à côté de moi, au pied de mon lit, dans cette petite caisse de maternité où la maman a tout le loisir de se rendre ou de sortir si elle a envie de se coucher ailleurs dans la pièce. Donc, on va faire les présentations. D'abord, un petit mâle. Donc, c'est Monsieur Ivanoé. Il a la tête fauve avec le bout du nez blanc. Il a le côté gauche blanc. Le côté droit, on a une tache qui deviendra un peu plus grande avec la croissance. Et à la base de la queue, une tache comme le papa Franky. Ensuite, son frère Incognito. Incognito. Il a la tête fauve avec une liste blanche et le bout du nez blanc. Il a un gilet fauve sur le dos. Moi, j'appelle ça un gilet. Ça part de l'épaule droite à l'épaule gauche. Et sur la croupe, il a une tache un peu axée du côté gauche. Voilà, voilà. Petit père. Ensuite, les filles. Là, on a Mademoiselle Idylle. Alors, Idylle toute blanche. Avec une babine blanche du côté droit et puis un début de liste incomplète au milieu du front. Voilà. Un poussin. Et le dernier chiot, la femelle Indiana, qui a une liste blanche avec une babine blanche du côté droit. Elle a deux taches du côté droit, une un petit peu centrée et l'autre qui est vraiment sur le flanc. Donc, comme pour Ivanoé, ce genre de tache va un peu s'élargir durant la croissance. Et du côté gauche, elle est blanche. Alors par contre, les listes blanches sur la tête, elles ont tendance à se refermer avec la croissance. Voilà, elles se referment un tout petit peu. Donc ils vont replonger dans leur sommeil parce qu'ils ont fait une grosse tétée tout à l'heure. Donc en général ils dorment après. J'ai dû enlever la maman pour faire la vidéo parce que ben, comme je tripotais ses bébés, elle se demandait ce qui se passait et elle mettait son gros nez devant l'objectif du téléphone et on voyait plus rien. Voilà, fin des présentations.